Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence débat exceptionnelle sur la Syrie. La Syrie vous passionne puisque vous êtes encore nombreux à avoir répondu présent ce soir. Vous êtes plus de 148 à nous regarder en direct. Et depuis le lancement de ces conférences débat, vous êtes plus de 950 à nous avoir suivis. Comme vous le savez, notre ambition à travers ces conférences débats, c'est de vous apporter à domicile notre expertise terrain, de vous apporter toute la richesse de ce que nous proposons de vivre habituellement à nos voyageurs au cours de nos voyages culturels. À travers expertise et rencontres, nous vous emmenons de l'autre côté du miroir pour vous aider à mieux comprendre, à appréhender les réalités politiques, sociales, religieuses, économiques et géopolitiques. Jusqu'en avril 2011, la Syrie, un des berceaux de la civilisation chrétienne, était historiquement la cinquième destination d'Ictus Voyage avec plus de 200 voyageurs par an. D'où notre attachement si particulier à ce magnifique pays. J'en profite pour saluer chaleureusement Marwan, notre ami et notre partenaire historique en Syrie avec lequel nous avons collaboré pendant tant d'années. Bonsoir Marwan. Alors ce soir, nous allons parcourir les drames et les tragédies de cette guerre civile syrienne, mais aussi regarder vers l'avenir. Tout commence en mars 2011 dans la contagion contestataire des printemps arabes en Tunisie, en Égypte, en Libye, à Bahreïn. Les Syriens aspirent à plus de liberté, ils aspirent à un meilleur niveau de vie et s'ensuit de nombreuses manifestations que l'armée réprimande sévèrement. Fin 2011, des civils commencent à prendre les armes pour se protéger des exactions de l'armée. D'une révolution, on bascule vers une guerre civile. Des militaires et notamment des officiers désertent l'armée régulière pour constituer une armée d'opposition, l'armée syrienne libre, l'ASL. Et puis petit à petit, l'armée syrienne libre s'appuie sur des milices islamistes, djihadistes, et de nombreux pays, dont la France, commencent à livrer des armes à l'ASL. En 2013, à ces deux protagonistes, l'armée régulière et l'armée d'opposition, vient s'ajouter l'État islamiste et les forces kurdes syriennes. En septembre 2013, la ville araméenne Maalula est prise par les insurgés, par les rebelles plutôt. En 2015, à la demande officielle du président Assad, qui à l'époque ne contrôle plus que 20% du territoire, la Russie s'engage dans le conflit et envoie des forces militaires en Syrie. C'est le point de bascule de cette guerre. En janvier 2017, l'ONU lance des pourparlers à Genève pour tenter de mettre fin à cette tragédie syrienne. Et puis, plus récemment, en juin 2020, c'est l'entrée en vigueur des lourdes sanctions américaines contre Damas. Alors, dans ce contexte tragique, on est en droit ce soir de se poser de nombreuses questions. Tout d'abord, est-ce que cette guerre est réellement terminée?
Quel rôle ont joué et continuent de jouer les puissances étrangères dans ce conflit en Syrie? Est-ce qu'en réalité, on n'a pas assisté à une guerre des pipelines, une guerre des gazoducs? Et puis, comment reconstruire ce pays? Et enfin, quel avenir en Syrie pour les chrétiens? Autant de questions auxquelles nos intervenants ce soir vont tenter de répondre. Mais au préalable, permettez-moi de vous rappeler que ce soir, vous participez à notre engagement solidaire, puisque nous avons décidé de reverser 10% du prix du billet au diocèse d'Alep pour le soutenir dans son effort de reconstruction, dans son effort pour que les populations chrétiennes restent en Syrie et notamment à Alep. Permettez-moi également de vous rappeler qu'au terme de cette conférence débat, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct à nos intervenants. Pour cela, vous disposez en bas de votre écran d'un petit module qui est juste normalement au milieu, qui s'appelle Converser ou Chat, selon les versions de Zoom. Et puis, dernière petite précision avant de vous présenter nos intervenants. Pour le confort visuel de cette conférence débat, je vous invite à cocher en haut à droite, c'est plutôt de l'autre côté, en haut à droite sur l'option affichage de l'intervenant actif. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers ce soir. Je suis heureux d'accueillir tout d'abord Frédéric Pichon. Frédéric Pichon est arabisant. Il est professeur d'histoire en classe préparatoire et a fait sa thèse sur la Syrie. C'est un grand amoureux et connaisseur de la Syrie. En 2004, il est rentré de Damas en voiture jusqu'à Paris avec femme et enfant, un voyage qui fera date pour lui. Et puis, il a écrit un livre remarqué et remarquable en 2017 aux éditions du Cerf, Syrie, une guerre pour rien. Frédéric Pichon, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Et bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir Très Frédéric, heureux d'être merci. parmi vous. Eh bien, on est très, très heureux de t'avoir également. Je suis heureux d'accueillir également Pierre Sabatier-Gara. Pierre Sabatier-Gara est ancien officier de marine où il a fait toute sa carrière. Il est le président de l'association Œuvre d'Orient qui œuvre depuis 1856 en soutien aux chrétiens dans cette région du monde. Pierre Sabatier-Gara, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Je suis là, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre, bienvenue. Et puis je suis très heureux et honoré d'accueillir en direct d'Alep ce soir Monseigneur Jean-Clément Jambard, le métropolite Jean-Clément Jambard. Il est archevêque grec-catholique d'Alep. Il est visiteur apostolique pour la communauté grecque-catholique en Europe occidentale. Il se démène depuis des années pour soutenir sa communauté au cœur de cette guerre et pour éviter l'exode des chrétiens en Syrie. Monseigneur Jean Barre, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là parmi nous? Oui, je Ah, suis là. J'espère voilà. vous voyez. Nous vous voyons, Monseigneur. Un grand merci. Quelle heure est-il à Alep? Il est 10, 20 heures, non, 22 heures moins 10. 10h moins 10. Bah, écoutez, merci de veiller quelque peu pour être avec nous en direct. Nous sommes en tout cas très heureux, très honorés de vous avoir. J'ai envie de commencer, Monseigneur, cette conférence par vous, en vous posant une première question, en vous demandant quelle est la situation aujourd'hui à Alep en particulier, et quelle est la situation en Syrie? C'est-à-dire poser cette question et tout un programme, tout un chapitre, pour essayer d'aller vite. Il y a l'aspect sécurité. Depuis que le gouvernement a pris les villes et même une bonne partie du pays, là où il y a le gouvernement, il y a une sécurité. Il y a la question de la vie qui est très difficile à cause des sanctions, à cause de l'inflation galopante qui a rendu la livre syrienne très, très faible. Il y a aussi le côté de la pandémie, de Corona,
créent des problèmes, peut-être moins apparents chez nous, et les gens ne se soucient pas trop. Ils fonctionnent, ils se déplacent. Le gouvernement donne des directives, mais je ne sais pas si tout le monde les respecte. De toute façon, nous avons pour le moment, les choses vont de l'avant. Les écoles sont ouvertes. Nous n'avons pas de cas, grâce à Dieu, dans nos écoles, nous n'avons pas de cas de contamination. Mais le plus important, c'est ce qui nous fait beaucoup de peine. D'un côté, comme vous dites, il y a toute cette exode, cette émigration. Par exemple, notre communauté à Alep, notre église catholique, a perdu la moitié de ses fidèles qui sont partis. Mais le plus grave, c'est que les jeunes, ceux qui sont sous le danger de la conscription militaire, s'en vont. Et s'en vont pour ne pas être mobilisés dans des circonstances très difficiles. Et là, justement, nous perdons déjà une bonne partie de notre communauté, de nos fidèles, de notre, nous et les autres communautés, des fidèles et des gens qui peuvent produire, qui ont l'expérience et qui ont été préparés pour travailler, pour construire le pays. Et en même temps, les jeunes nous quittent. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Grâce à Dieu, je me suis rendu compte que je pouvais compter sur les jeunes retraités ou un peu moins jeunes retraités. Nous avons beaucoup de personnes de 60, 65 ans qui collaborent avec nous avec beaucoup de dynamisme et qui sont aussi actifs que les jeunes. Je ne veux pas prendre plus de temps pour vous laisser la possibilité. Merci, Monseigneur. On peut dire que la Syrie, après 9 ans de guerre, est un pays dévasté, dans certains endroits en proie à la famine. J'ai des chiffres terrifiants, plus de 380 000 victimes, dont 116 000 civils, et la moitié de la population syrienne aurait quitté son foyer. Pierre Sabatier-Gara, vous êtes le président de l'Œuvre d'Orient, vous œuvrez particulièrement en Syrie, en situation d'urgence, vous connaissez le terrain. Quelle est aussi la situation d'urgence à laquelle vous faites face à l'Œuvre d'Orient ? Bien, c'est exactement comme le disait Monseigneur Jean Barre, la situation est extrêmement difficile pour les populations et cela nous amène à intervenir dans les grandes villes sans trop de difficultés, mais dès que l'on passe dans les faubourgs, que l'on va... je pense à Alep, par exemple, nous allons à Alep Est, où la situation est catastrophique. Quand on va dans le nord-est du pays, là aussi, il y a des difficultés d'approvisionnement absolument de tout ce qui est nécessaire pour la vie des gens. La sécurité n'est pas parfaitement assuré partout, étant entendu que dans le nord-est, il y a encore des échauffourées entre les Turcs et les Kurdes. La poche d'Idlib, bien sûr, je n'en parle pas, mais dans le sud, dans la région du Golan et du Djebel Druze, les Druzes sont également en conflit avec les tribus bédouines. Donc voilà, maintenant ce que nous faisons nous à l'Œuvre d'Orient, c'est que nous avons quand même le gros avantage d'avoir ce réseau des églises qui nous permet d'être présents dans toutes ces régions justement qui ne sont pas faciles d'accès ou qui sont forcément délaissées par les grandes ONG, en grande partie pour des raisons de sécurité. Les églises sur lesquelles nous sommes toujours appuyés depuis 160 ans et les communautés religieuses. Et voilà, donc, qu'est-ce que nous faisons le principal pour l'instant, ce sont des actions à caractère humanitaire, mais nous avons également recommencé à agir pour
aider les écoles, les dispensaires, les hôpitaux et des formations, la formation professionnelle des étudiants dans la plupart de ces régions. Mais ça, on pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Alors, je vous propose qu'on sorte un petit peu du quotidien que vous venez de décrire. Et pour une bonne compréhension, une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, Frédéric Pichon, vous êtes un fin connaisseur de la Syrie. Est-ce que vous pouvez, l'exercice n'est pas facile, mais est-ce que vous pouvez, en 3-4 minutes, nous décrire ce qui s'est passé, le contexte, les forces en présence? Alors, je vais rebondir sur la présentation qui a été faite hein, par toi-même au début de la conférence. Je suis à peu près d'accord de la manière. Je pense que au départ, on a en mars 2011, dans la foulée des printemps arabes, une agitation en Syrie qui, pour moi, là, par contre, je ne te suivrai pas. Ce n'est pas une question d'aspiration à la liberté, mais disons qu'il y avait quand même, moi je connais la Syrie depuis le début des années 2000, il y avait des tensions sociales. On pourrait comparer ça un petit peu à la situation d'une espèce de Syrie périphérique et de la Syrie des métropoles, la Syrie des grandes villes, avec un virage assez libéral d'ouverture à la mondialisation qu'avait engagé Bachar el-Assad. Elle se portait quand même mieux que les campagnes ou que les petites villes périphériques. Et donc, c'est au départ, à mon avis, un problème social. Mais très rapidement, comme tu l'as dit, dès l'automne 2011, ces problèmes, qui étaient des problèmes sociaux, sont colonisés, parasités par l'islamisme politique. Et très rapidement, effectivement, la révolution se mue en une révolte pour le coup militaire. Enfin, ça, c'est quelque chose qui était difficile à admettre pour évidemment les médias français, pour le gouvernement français, les experts français, mais il suffisait en source ouverte, on voyait la violence quand même. Alors, comme tu l'as dit, la violence aussi de la répression, hein, bien entendu, on est en Syrie, hein, je veux dire, les rapports sont rudes, les rapports de la police avec les citoyens sont rudes, mais la violence aussi des manifestants, il y a eu des lynchages, des massacres, des pillages très vite. Voilà. Ensuite, dans ce chaos, hein, parce que très rapidement, si le gouvernement perd le contrôle du territoire, eh bien, s'installe l'État islamique en 2014. Et puis, bon, il faut bien dire hein, que ces forces rebelles profitent quand même des largesses d'un certain nombre de pays, bon, notamment des pays du Golfe. Et la Turquie a joué un rôle en ouvrant sa frontière, qui est absolument catastrophique, hein, en ouvrant ses frontières à djihadistes du monde entier, bien entendu. Donc, l'intervention russe de 2015 a effectivement changé, c'est un vrai point de bascule, changé un petit peu la donne. Et il y a eu, alors ça, Monseigneur Jean Barre, vous l'avez vécu, je suppose, il y a eu le fameux siège d'Alep, tel que ça a été présenté dans les médias français, mais en réalité, ce n'était pas ça, c'était encore, c'est-à-dire cette Alep Est qui était un petit peu cette Alep rurale et assez pauvre et assez frustrée et qui a commencé à bombarder la partie ouest d'Alep où étaient soi-disant les bourgeois et aussi les chrétiens, etc. Donc, ce n'était pas Alep qui était assiégé par le régime, c'était vraiment une guerre civile à l'intérieur d'une ville avec des rapports sociaux très, très dégradés et puis une violence très forte. Et ce qu'on a appelé la chute d'Alep, c'est tout simplement la fin, effectivement, du siège d'Alep Ouest par, pour le coup, des islamistes, hein, le Front al-Nusra, etc. Donc, à partir de décembre 2016, début 2017, l'opposition ne peut plus se doter d'une capitale, elle aurait bien voulu le faire avec Alep. Et alors depuis, bah, ce sont les sanctions. Moi, j'ai eu l'occasion de retourner de nombreuses fois en Syrie, y compris il n'y a pas très longtemps. Et comme le disait Monseigneur Jean Barre, enfin, moi, ce qui me choque et ce que je vois, c'est effectivement la déperdition en termes de ressources humaines. Enfin, les jeunes qui s'en vont, qui en ont marre, qui ne veulent plus même faire ce service militaire, l'armée loyaliste et les éléments loyalistes, selon mes estimations, c'est 180 000 à 200 000 morts sur le total.
C'est énorme. Dans les premières années de la guerre, on estimait à 100 000 soldats de l'armée en 2013 qui avaient été tués. Je veux dire, quelle armée de nos jours pourrait encaisser des pertes de 100 000 hommes? Voilà. Et donc là, le pays est en train de semble mourir à petit feu. Je veux dire, les sanctions sont extrêmement dures. On a parlé de l'inflation tout à l'heure, le pétrole. Il n'y a pas d'espoir. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'envisager qu'il puisse y avoir un espoir. Il faut se mettre à la place des Syriens aussi. Voilà, donc c'est la situation dont on hérite et que, alors pour le coup, l'œuvre d'Orient et puis le clergé local, évidemment, doit essayer de changer ou en tout cas essayer de faire avec. Alors j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de nous partager, Frédéric. Est-ce que finalement, ce n'est pas une crise locale qui a dégénéré en crise régionale ? Oui, complètement. Il ne faut pas nier, je pense, les problèmes qu'avait la société syrienne, mais pour moi, c'est davantage effectivement des problèmes locaux qui étaient des problèmes liés à la captation des ressources et à une mauvaise, sans doute, redistribution. Il y a des fortunes colossales qui se sont édifiées au début du XXIe siècle en Syrie. Je ne vais pas faire un cours de géographie, mais je veux dire, ce sont des logiques spatiales de la mondialisation. Je veux dire, la mondialisation, elle sélectionne les territoires. Et donc, ce sont les métropoles, certains quartiers des métropoles, Alep Ouest, Damas, qui ont tiré des bénéfices de cela. Bon. Et puis, donc ça c'est une crise locale, et tout ça intervenant dans un contexte de printemps arabe et aussi d'alliance et de recherche d'hégémonie de la part de l'Iran, mais aussi de la Turquie, et puis le Qatar et l'Arabie saoudite qui, en Syrie, n'ont pas joué du tout de conserve, en fait, se sont opposés en finançant chacun des brigades. Ça s'est mué, effectivement, en une crise régionale, me semble-t-il. Pas une crise mondiale, je ne pense pas non plus, mais en tout cas qui a dépassé complètement les Syriens, me semble-t-il. Monseigneur Jean-Bart, vous voulez réagir ? Je suis un peu bloqué. Vous me voyez ? On vous voit, Monseigneur. Ah, très bien. En fait, ce que dit Frédéric est très exact. Et nous devons dire que finalement, ce n'est pas aussi simple que ça, ce qui s'est passé. J'ai écrit un article à mes fidèles il y a quelques mois, deux, trois mois, que j'ai intitulé « Le prodige syrien ». En fait, ce qui s'est passé au départ, moi, on pensait toujours à un soulèvement, mais il était tellement bien orchestré et organisé qu'au bout de au bout d'un an, nous sommes rendus compte que ce n'était pas du tout ce que pensent les gens et ce que les médias communiquent au monde. C'était vraiment une stratégie pour prendre en main la situation dans la région. Moi, je ne suis pas politicien, je n'ai aucune tendance, ni d'un côté ni de l'autre, mais j'aime mon pays. J'aime ma patrie, j'aime mon peuple, j'aime cette Syrie dans laquelle j'ai grandi et que j'ai découvert à fur et à mesure. Et plus j'étudiais, plus je me formais, plus je lisais l'histoire, plus je voyais que c'était un pays extraordinaire et merveilleux. Ce qui s'est passé dans cet article, je commençais par dire une chose. En 2013, il y a un officier qui me dit, qui vient me dire, écoutez, j'ai une petite équipe de combattants, de militaires, ils sont six, ils me disaient que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. On dirait qu'un ange est en train de lutter avec nous. Il y a des centaines de rebelles qui nous attaquent et ils ne réussissent pas à nous atteindre ni à nous déplacés. Au contraire, ils reprennent, ils repartent en perdant un grand nombre. J'ai pensé que peut-être, oui, là, je lui ai dit, bien sûr, le Seigneur, peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas très convaincu, je ne voyais pas. Mais au bout de plusieurs années, vers les années 2019,
En entendant le prince du Qatar parler de 137 milliards de dollars payés pour cette guerre, en entendant l'ambassadeur des États-Unis Ford dire que nous avions intervenu et que beaucoup de pays avaient intervenu et que des tonnes de matériel militaire étaient passées en Syrie et que la Turquie, etc., 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 je me suis dit, écoutez, peut-être cet homme-là a raison, s'il n'y avait pas la protection de la Sainte Vierge, Mère de Dieu, que tout le monde vénère, chrétien et musulman, peut-être nous ne serions plus là. Effectivement, les centaines de milliers de combattants, de guerriers qui ont été employés par des organisations, par des bureaux de recrutement internationaux, Black Web, Water, etc., etc., l'argent qui est pour la Syrie, ce sont des sommes immenses. C'est peut-être le budget de la Syrie 10 ans, 137 milliards. Et puis tous les armements, tous les pays, la Turquie, tous ces pays qui ont fait la guerre à ce petit pays et qui n'a pas été démoli et qui n'a pas été détruit. Il a été détruit, mais qui n'a pas perdu tout et qui revivent maintenant, ça ne peut être qu'une volonté divine. Je pense que ce n'est pas ce n'est pas à mettre de côté cette pensée, parce que la vie en Syrie, la convivialité entre musulmans et chrétiens, entre toutes les communautés, cette ouverture qu'avait commencé la Syrie vers le progrès, vers l'ouverture, vers la science, vers la tolérance, etc., était nécessaire à la région pour que vraiment tous les peuples de la région puissent vivre d'une autre façon. Nous avions peur, nous, je ne vous cache pas, nous n'étions pas contre le régime parce que le régime nous assurait un pluralisme et un respect de toutes les communautés. Nous avions peur plutôt des frères musulmans et des fondamentalistes parce que s'ils venaient, maintenant nous sommes restés peut-être la moitié de nos communautés ou 60% dans certaines régions, 70%. Nous n'aurions été plus que 10% de ce que nous avions. Les chrétiens n'auraient pas pu. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, déjà rappeler que la Sainte Vierge est apparue en Syrie. Voilà une apparition reconnue. Et puis Saint Paul qui a retrouvé la vue à Damas dans la maison d'Ananie. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le Qatar et ses budgets colossaux. Pierre Sabatier-Gara, beaucoup se posent la question. Même des hommes politiques français l'ont dit, beaucoup d'intellectuels ont commencé à le dire. Est-ce que finalement, cette guerre en Syrie n'est pas la guerre des pipelines et des gazoducs? Alors, je pense qu'il ne faut pas chercher des complots là où il n'y en a pas forcément. Maintenant, chacun, évidemment, a ses intérêts. Si les Russes, on parle de 2015, les Russes sont en Syrie depuis la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour eux, c'est un point absolument important pour deux raisons principales. Premièrement, il leur faut une base en Méditerranée pour entretenir leur flotte parce qu'ils veulent pouvoir être acteurs en Méditerranée. Et deuxièmement, ayant en Syrie un pays qui, effectivement, s'était tourné, et le père de Bachar, Hafez el-Assad, s'était quand même beaucoup tourné vers l'URSS à l'époque pour former son armée, pour y acheter du matériel, et toute l'armée d'Hafez el-Assad et de la Syrie est une armée équipée de matériel russe, formé soviétique à l'époque, russe maintenant, est formé dans tous les cadres et tous les généraux de l'armée syrienne étaient formés en URSS ou par des instructeurs soviétiques. Et pour les Russes, il était extrêmement important d'avoir ce point d'ancrage au Moyen-Orient d'une façon générale. L'Arabie saoudite, c'était le On ne vous entend plus, Pierre.
Votre micro a été désactivé. Alors, je ne sais pas qui me coupe la parole, mais... Voilà. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de censure. Je parle peut-être trop longtemps. Non, non. Bon, non, je dis simplement donc que l'intervention de la Russie, c'est quand trop c'est trop. La Russie ne cherche qu'une chose, c'est rester en Syrie. Pour qu'elle puisse rester en Syrie, il lui faut un gouvernement suffisamment fort pour elle, d'une part, et d'autre part, elle veut... elle veut que les gouvernements qui ont été élus ne soient pas renversés aussi facilement. Donc, pour elle, Bachar el-Assad n'avait pas forcément toutes les qualités, mais il était là, c'est un régime fort, et il garantissait la pérennité de la présence russe. Au Moyen-Orient, d'une façon générale, et en Méditerranée. Voilà, donc pour les Russes. Maintenant, les Turcs, bon, mais les Turcs n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était d'arriver à couper le PKK, les Kurdes, donc de l'intérieur de la Turquie, de leur soutien et de leur base arrière en Syrie. Et on voit bien comment ça aboutit après 11 ans de guerre. Hein, il y a maintenant, les Turcs ont exigé d'avoir une bande de 30 km qu'ils contrôlent, et le tout sans que un soldat russe ait tiré un coup de fusil ou un coup de canon contre Daesh. Ils ne se sont jamais battus contre Daesh, jamais. Hein. Alors là, vous parlez... surtout de la Russie, Pierre. Mais Frédéric, est-ce qu'on peut regarder peut-être un petit peu l'Iran et puis l'Arabie Saoudite et le Qatar? On a parlé à un moment d'un projet de gazoduc, de deux projets de gazoduc qui devaient passer par la Syrie, le projet Qatari et l'autre m'échappe. Est-ce qu'il y a une vraie lecture en termes de ressources naturelles, une vraie lecture dans cette guerre? Moi, je n'adhère pas tellement à, encore une fois, à des explications monofactorielles. Je ne pense pas qu'on puisse tout déduire de. Effectivement, en 2009, il y a un gazoduc qatari qui devait traverser le territoire syrien, qui n'a pas été fait. Certains disent qu'il y a eu des pressions russes parce que la Russie, c'est vrai, veut conserver. Le monopole de l'approvisionnement en gaz de l'Europe et de l'Europe du Sud. Mais non, fondamentalement, je ne crois pas. Si vous voulez, je pense qu'il y a une espèce de trou d'air aussi géostratégique, hein, c'est la présidence Obama, donc, dans laquelle un certain nombre d'acteurs régionaux se sont engouffrés. Et donc, je ne vais pas revenir sur les objectifs de la Turquie qui ont été décrits. Pourquoi ces acteurs-là, je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite, le Qatar, pourquoi ils se sont engouffrés dans... Alors, l'Iran. L'Iran, écoutez, c'est. Bon, l'Iran essaie d'avoir une influence régionale, essaie d'être une puissance régionale. Elle en a les moyens, c'est 80 millions d'habitants, c'est un pays riche en matières premières, etc. Et bon, l'Iran a l'inconvénient de ne pas être un pays arabe, hein, dans un environnement quand même assez largement arabe, mis à part les Turcs et les Israéliens, bien entendu. Voilà. La Syrie, pendant la guerre Iran-Irak, a été fidèle à l'Iran. Les avions iraniens transitaient par le nord de l'Irak et repartait de Syrie pour attaquer l'Irak. Donc, Hafez al-Assad avait soutenu l'Iran dans la guerre Iran-Irak. La fidélité dans ces régions, au Moyen-Orient, c'est quelque chose. Et donc, l'Iran s'est porté volontaire pour aller, et notamment à travers le Hezbollah qu'elle finance au Liban, en 2013, porter des coups décisifs à l'opposition et empêcher encore une fois, et Alep, on l'a bien vu, voilà. Bon, évidemment, pour l'Iran, c'est l'occasion de se rapprocher d'Israël et de se rapprocher de la Méditerranée. Donc, tout le monde avait un agenda, si vous voulez. Le Qatar avait un agenda qui était un agenda
bon, en pensant qu'avec des milliards, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Et la chaîne Al Jazeera hein, a joué un très grand rôle. Il faut là aussi arrêter avec les indulgences un peu coupables en Occident. La chaîne Al Jazeera, c'est la chaîne de tous ces prédicateurs qui ont soutenu, il y a notamment un épouvantable personnage, Youssef Al-Qaldawi, qui a une émission sur Al Jazeera, qui s'appelle, peu importe, une émission, qui a, au départ de la révolte syrienne, jeté de l'huile sur le feu. Et ce Youssef Al-Qaldawi, il a été refusé, son visa a été refusé lorsqu'il a voulu venir en France pour le congrès des organisations musulmanes, à l'époque de Sarkozy. Où il y avait... Donc, le Qatar a voulu jouer du soft power, et puis avec des sommes colossales. Vous savez, vous envoyez, en fait, vous envoyez les photos d'une brigade à Alep, là, vous avez 3-4 Pékins qui cessent pousser la barbe, qui mettent la shahada derrière un drapeau, et on envoie des photos, ça va dans les, au Golfe, notamment au Koweït, et puis vous avez des grands galas avec des souscriptions, et puis chacun donne 1000 dollars, 2000 dollars, etc. Bon, voilà, si vous n'avez pas la barbe et la shahada derrière, vous n'allez pas récolter de dollars. Et c'est aussi comme ça que ça a fonctionné. Alors, ce qui a envenimé les choses, c'est qu'il y a un autre agenda qui est celui des Saoudiens, qui est un agenda très anti-frères musulmans, mais en même temps, ils ne voulaient pas se faire dépasser par les brigades inspirées ou soutenues par le Qatar. Donc, ils y sont allés, eux aussi, de leur propre brigade. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui a envenimé encore les choses. Il y a eu un achat en 2013 qui a été public ensuite. L'Arabie saoudite a fait acheter un vieux stock d'armes de l'armée yougoslave, donc on les reconnaissait, hein, ces armes du pacte de Varsovie, pour un montant de 2 milliards de dollars. Voilà, ils ont pris 2 milliards de dollars, qui ont été, et c'est rien ces 2 milliards de dollars par rapport à ce qui a été injecté dans le conflit. On n'a pas parlé d'Israël depuis le début. Ils ont un intérêt, j'allais dire, avec le Golan. Quelle partition ils ont joué, Israël, dans ce conflit ? Alors, moi, il me semble qu'Israël a été très attentiste au départ. Je pense que le meilleur ennemi d'Israël, c'était quand même Assad, hein, c'est-à-dire avec un ennemi comme ça, prévisible, et finalement qui avait établi une espèce de modus vivendi avec Israël, ils n'avaient pas intérêt à une chute, ils n'avaient pas intérêt à l'installation d'un califat à Damas, hein, les Israéliens. Bon, cela dit, quand l'Iran a commencé à fouler le sol syrien, les choses ont un peu changé. Hein. Donc, ce que Israël a toujours fait depuis le début du conflit, c'est une espèce de politique d'attrition, hein, pour affaiblir, décourager l'implantation des Pasdaran et des Iraniens en Syrie. Mais à de très rares exceptions près, il ne me semble pas que l'armée israélienne ait cherché à faire tomber le régime syrien, tout simplement parce que ce n'est pas du tout l'intérêt d'Israël d'avoir à sa porte un califat. Alors, j'ai envie, Monseigneur, et ce sera l'occasion de faire une transition vers les réalités confessionnelle de la Syrie. La Syrie qui, comme vous l'avez rappelé avant cette guerre, était réputée pour son art de vivre, pour sa convivialité, pour cette bonne entente entre les religions. Monseigneur, est-ce que c'est une guerre civile ou est-ce que c'est une guerre confessionnelle? Je pense que c'est une guerre civile plutôt. Parce que des deux côtés, il y a des sunnites. Peut-être, disons, les philo-gouvernements sont les minorités, différentes minorités du pays. Mais avec eux, un grand nombre de sunnites se battent. Et par exemple, Alep, c'est une ville à majorité sunnite. De même Damas ou ailleurs. Et finalement, comme vous avez remarqué, il y a plusieurs années, quelques années, quand il y a eu les élections, ils ont voté pour Bachar el-Assad. Que ce soit en Syrie, que ce soit ceux qui étaient au Liban, qui, soi-disant, devaient être dans l'opposition et qui sont partis, qui ont fui le pays par crainte des vexations. Et ils ont voté. Donc, ce n'est pas une guerre confessionnelle. C'est une guerre plutôt civile. Alors, le problème est que l'intervention de
de l'Iran, qui est chiite, peut donner une impression, une telle impression. Mais pour dire la vérité, par exemple, nous, ici à Alep, nous ne sentons pas la présence des Iraniens. Peut-être dans certaines régions, dans les faubourgs ou ailleurs, il y en a, mais pas tellement. Je crois que il faut dire, je ne veux pas rentrer dans des questions politiques, mais quand même, je veux vous dire, le nombre des militaires de l'armée syrienne est resté très important. Moi, je pense qu'ils avaient eu une stratégie, une sagesse, si vous voulez, je ne sais pas. Ils ont gardé les grands contingents sur place, dans leurs casernes, et qui étaient en majorité sunnites, le temps que les choses se soient clarifiées et que les officiers qui pouvaient aller dans l'opposition avaient réalisé que c'était terminé, et ils les ont ressortis après. D'abord, au départ, c'était les fidélissimes, c'était les forces spéciales, c'était, qui avaient affronté les attaques des rebelles. Puis après, c'était l'armée qui était sortie, c'est comme ça qu'ils ont récupéré 80% des territoires syriens. Ils n'ont pas besoin de nombre. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai quelqu'un maintenant que j'ai pris pour, comme fonctionnaire pour l'aider. Il a été, d'habitude, le service militaire, c'est 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il était mobilisé, il est resté 9 ans dans son service. C'est-à-dire, il était mobilisé 9 ans. Lui, comme des milliers. Il y a des centaines de milliers de soldats syriens. Ce dont ils avaient besoin, c'était peut-être les Russes avec leur aviation, un certain soutien financier ou logistique, mais ils n'avaient pas besoin de soldats. Et c'est pour ça qu'il y a finalement, de l'extérieur, on pense que ce sont les Iraniens ou les Russes qui ont combattu. Non, comme disait M. Frédéric, non, ils n'ont pas combattu. Ils ont bombardé, oui, mais ils n'ont pas combattu. C'est les Syriens, les soldats syriens qui ont combattu. Et grâce à Dieu, finalement, maintenant, on est à la fin, il n'y a plus de combat. J'espère que nos jeunes qui sont mobilisés vont être relâchés. Et ça va nous permettre d'avoir un peu plus de jeunes parmi nous. Monseigneur, comme vous le soulignez, toutes les confessions ont payé un lourd tribut à cette guerre. Mais j'aimerais vous interpeller quelques instants et parler à votre cœur de père, si je puis dire. Je crois que c'est en 2015, il y a 2 évêques qui ont été enlevés. Alors, que c'était en 2015, à Monseigneur Paul Yazigi, qui était le métropolite d'Alep, votre frère en Christ, et Monseigneur Youhanna Ibrahim, métropolite d'Alep pour les Syriaques orthodoxes. On n'oublie pas également l'enlèvement depuis 2013, la disparition depuis 2013 du père Paolo à Raqqa. Comment vous avez vécu toutes ces réalités au quotidien? Très difficilement, mais en même temps, j'étais moi-même très en danger. On m'avait prévenu, on m'avait lancé continuer, c'est-à-dire j'étais sur leur liste noire. Et ils ont essayé 2 fois de m'attaquer, et même une fois en voiture, ils m'ont tiré dessus un petit groupe de rebelles. Mais grâce à Dieu, j'ai pu échapper, grâce à la Vierge, parce que vraiment ce jour-là, j'ai beaucoup prié la Vierge, je lui ai dit, c'est vous qui décidez, moi je fais un effort pour, et puis ça a passé. Pour dire, alors bien sûr, ça nous fait mal au cœur qu'ils aient disparu comme ça, et pas seulement 2 évêques, il y a 10 de prêtres, et il y en a qui ont été tués, il y a des personnes vraiment qui sont innocentes, qui ne font pas la guerre, et qui ont été par des francs-tireurs abattus. Mais tout ça, nous étions dans un tel vacarme, dans une telle situation tendue que nous n'avions pas trop, si vous voulez, senti que ce qui se passait était quelque chose d'étrange. On voyait normal le danger, on voyait normal la mort, on voyait normal la destruction. C'est-à-dire, c'est pas que nous acceptions cela,
Mais c'était fait, en fait, c'était, si vous voulez, un grand malheur qui arrivait au pays et au monde. Et comme maintenant, la corona en Europe, en Amérique, vous n'y pouvez rien. Donc, à un moment donné, on se fait à la situation. Mais ça ne veut pas dire que après, et depuis chaque jour, toutes les semaines, quelques temps, nous pensons à nos confrères, Monseigneur Johanna et Monseigneur Boulos. J'étais avec Monseigneur Johanna la veille de sa disparition. Il nous avait dit pourtant que lui, il était en très bon terme avec les rebelles et que Daesh lui avait donné carte blanche, il pouvait aller partout. Il est parti vers la Turquie et a emmené avec lui Monseigneur Paul, et ils ont été enlevés. Vous voyez, ça c'est terrible. Nous ne nous attendions pas. Par contre, un de ces prêtres m'avait dit, après, il m'a dit que moi j'ai dit à l'évêque, voilà, il y a votre nom, ils vont vous faire vous enlever tout ça. Il m'a dit non, c'est Monseigneur Jean-Bart, parce que Monseigneur Jean-Bart a parlé en faveur du président Assad en France, etc., je ne sais pas. Alors, il lui a dit non, mais on parle de vous. Il a dit non, c'est pas moi. Et effectivement, peut-être moi aussi j'étais sur la liste. J'ai fait attention depuis, j'ai pris toutes mes précautions. Alors, mais je n'aime pas me mêler de politique. Si j'ai dit un mot gentil à l'égard du président Assad, c'est pas qu'il est parfait, mais il n'est pas aussi mauvais que ça. Vous voyez, regardez chez vous, comment vous diabolisez les gens. Les masses médias, la propagande, surtout actuellement, télévision, radio, communication, réseaux sociaux, tout ça, mais ça peut démolir n'importe qui. Même on attaque l'Église, on attaque le pape, on attaque des cardinaux. Mais c'est terrible, nous sommes dans un monde pourri, mais un monde, si vous voulez, pollué par ces moyens de communication pleins de mensonges. J'ai comparé cette guerre chez nous, je ne dis pas comparé, j'ai senti un peu, nous, en lisant l'Évangile, les signes de Satan sont trois. Le mensonge, l'argent et le sang. Notre guerre en Syrie a été faite par ces trois éléments. Le mensonge, de l'information, de tout ce que vous voulez. Un jour on dit non, c'est pour libérer. Mais libérer quoi? Un pays où les gens vivent librement, où les paysans ont réussi à accéder au plus haut niveau de responsabilité grâce à l'enseignement gratuit universitaire. Et puis après, le sang. On a vu l'argent, on a vu le mensonge, on a vu le sang. Pour vous donner une idée, vous savez qu'à Alep, il y a une cité universitaire qui accueille 25 000 étudiants. Et tous ces étudiants ne sont pas de la ville d'Alep parce qu'ils n'ont pas besoin d'y aller. Ce sont les campagnards, ce sont les gens des zones lointaines qui sont défavorisés. Ils viennent, ils prennent des diplômes universitaires, ils avancent et ils sont dans des positions de ministres, de députés, de ce que vous voulez. Il y a du mauvais, il y a un mauvais côté à ce que ces gens-là, à ce que ce gouvernement tout ça a fait. Mais il y a aussi du positif. Je ne réalisais pas avant la guerre qu'il y avait autant d'hôpitaux en Syrie, autant de centres médicaux. Parce que j'en ai pris conscience quand on a dit que ça a été détruit tard, ça et ça. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'écoles. Je ne savais pas qu'il y avait tout ce qu'il y avait. Vraiment, finalement, il faut être juste. Comme évêque, je ne peux pas, même si je n'empathise pas beaucoup le parti ou le socialisme comme tel qu'il se faisait il y a 20 ans, 30 ans, mais je ne peux pas nier que quelque chose est fait. Alors justement, Pierre Sabatier-Gara. Alors je suis malheureux que, voilà, je suis incriminé de votre premier ministre de ce temps-là, au ministre de l'Intérieur, M. Juppé m'avait prévenu de ne pas parler de Bachar parce qu'il allait crouler dans quelques semaines. Mais ce n'est pas une question que je parle de lui parce que j'ai peur, je n'ai pas conscience qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Je ne dis pas que je voterai pour lui, mais il n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Alors, j'aimerais interpeller Pierre Sabatier-Gara. Vous nous disiez au début de cette conférence que l'œuvre d'Orient, par les réseaux d'églises locaux, arriver à apporter l'aide dans des régions reculées. Vous êtes en contact avec toutes ces églises en Syrie. Quel est le regard que ces communautés chrétiennes posent justement sur Assad, sur son gouvernement, sur sa politique?
Vous demandez à... Pour l'instant, à Pierre Sabatier-Gara. Oui. Pour l'instant, ils sont beaucoup plus en situation de survie qu'autre chose. Et comme le disait très justement Mgr Jean Barre, la politique ne les intéresse pas vraiment. Et c'est vraiment d'abord de survie matérielle. Et ça a été pendant 11 ans un peu le sauve qui peut pour arriver à survivre justement au passage dans ces régions reculées de différentes milices. L'évêque d'Asaké, Mgr Hindo, donc Asaké qui est dans le nord-est de la Syrie, s'est retrouvé au plus fort des combats entre les forces kurdes et Daesh, à prendre finalement les fonctions du maire de la ville parce que plus rien ne fonctionnait. Et c'est cela, on réagit au jour le jour et on survit. Hein, c'est vraiment cela. Il y a un point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent et que je voudrais aborder parce que c'est extrêmement important, c'est la question des déplacés et des réfugiés. La Syrie donc avait à peu près 21 millions d'habitants et il y a 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 5 millions et demi de réfugiés dans les pays voisins. C'est absolument considérable. Et donc les déplacés à l'intérieur, eh bien, c'était des gens qui ont fui les bombardements de leur ville et qui sont montés dans les montagnes, qui sont partis dans les villages alentours et qu'il a fallu ensuite nourrir, entretenir et ainsi de suite. Et on en est toujours là parce que dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas revenir. La question des réfugiés est une question extrêmement complexe parce que ces réfugiés, en grande majorité, sont sunnites. Le gouvernement actuel ne veut pas les voir revenir, ou du moins, tant qu'ils ne reviendront pas, ce ne sera pas plus mal. Et de toute façon, pour un certain nombre d'entre eux, on a confisqué leur maison. En revanche, le Liban, qui a 1,5 million de réfugiés chez lui, dans un pays de 4 millions d'habitants, ce qui est considérable, et surtout dans la situation absolument catastrophique où est le Liban actuellement, voudrait bien que ces réfugiés rentrent chez eux. Ces réfugiés ne veulent pas rentrer tant qu'ils n'ont pas une assurance, d'une part, de ne pas être enrôlés par l'armée, pour les jeunes qui en ont l'âge. Enfin, les jeunes, ça va jusqu'à 42 ans. Hein, et ensuite, ils ne savent pas, dans bien des cas, où aller. Des villes comme Raqqa ou Deir ez-Zor sont détruites à 90%. Alep tient debout. Alep, on y vit normalement, mais quand on va à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus catastrophique. Et alors, les Russes jouent un petit peu comme les Turcs d'ailleurs sur les réfugiés pour essayer d'obtenir que l'Union européenne et les États-Unis financent la reconstruction de la Syrie qu'ils ont bien démolie. Bon, et donc actuellement la question des réfugiés et des déplacés, c'est une question vraiment très 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 importante. Ces gens vivent dans des camps et, comme le disait Mgr Jean Barre, le coronavirus par-dessus, c'est catastrophique sur le plan sanitaire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Un autre aspect de la question qui est justement en raison de l'exode des jeunes qui fuyaient le service militaire parce qu'ils ne voulaient pas se faire tuer bêtement. Il y a actuellement dans la plupart des villes un déséquilibre considérable chez les jeunes entre hommes et femmes. Il y a un homme pour 15 femmes.
si bien que ce sont les femmes qui ont pris les choses en main, hein, et qui, et on parlera de reconstruction tout à l'heure, beaucoup de choses passent par les femmes. Voilà, je vais pas être plus long, mais non, merci Pierre, c'était très important effectivement d'avoir cet éclairage sur les réfugiés. Avant justement de tourner notre regard vers demain, une des forces de la Syrie, Frédéric, une des forces de la Syrie, et je crois que c'est ce qui t'a beaucoup touché dans ce pays, c'est cette convivialité, cet art de vie à la syrienne qui reposait notamment sur une concorde, un art de vivre ensemble entre les communautés chrétiennes, les communautés alaouites, les communautés sunnites. Tout ça semble avoir volé en éclats. Que reste-t-il aujourd'hui? Comment ce ferment peut-il encore être le terreau pour une reconstruction demain du pays? Oui, il y avait une forme de convivialité syrienne que Mgr Jean-Bart a évoqué un petit peu tout à l'heure. Moi, j'avais bien vu la différence parce que, habitant au Liban, le Liban est une société très communautariste où ça ne pose pas absolument de problème de s'identifier par sa communauté religieuse. C'est même revendiqué et c'est même institutionnalisé en quelque sorte au Liban. En Syrie, c'était tout à fait autre chose, en tout cas officiellement. Et donc, on voyait bien qu'il y avait c'était presque impoli de demander à quelqu'un quelle était sa confession. C'est le genre d'erreur d'orientaliste que j'ai commis. Bon, j'étais jeune à l'époque, au début. Ça ne se fait pas. C'était pas poli, c'était un peu gêné. Alors, oui, on peut le dire, les communautés religieuses, notamment chrétiennes, jouissaient d'un statut plutôt enviable dans le monde arabo-musulman. Ce n'est pas au Pakistan, ce n'est pas en Arabie Saoudite, ce n'est même pas en Algérie que vous trouviez ou que l'on trouve encore une telle liberté pour les paroisses, les chrétiens, etc. Alors, je ne dis pas que ça a totalement disparu, mais évidemment, vous l'avez dit, bon, Monseigneur, vous avez dit c'est une guerre civile, bon. Mais malgré tout, les questions confessionnelles ont été instrumentalisées quand même par, en particulier dans le cas de l'islam sunnite. Et moi, j'ai l'impression, les quelques séjours que j'ai fait ces dernières années, d'avoir vu revenir une parole confessionnelle et une méfiance. Alors, il y a quand même une méfiance envers dans les minorités, que ce soit des alaouites que je connais ou des ismaéliens ou des chrétiens. Une grande méfiance vis-à-vis des sunnites et certains même me dire bon, rien ne sera plus comme avant. Je pense donc, je sais pas, je parle sous, vous connaissez mieux quand même parce que vous vivez sur place, mais je pense que les liens vont être quand même très difficiles à renouer entre les différents Syriens. Bon, vous l'avez dit aussi tout à l'heure pour la question des réfugiés. Les réfugiés qui sont partis, qui pour la plupart étaient sunnites et plus pour la plupart étaient des opposants, ça va être très difficile effectivement qu'ils reviennent. Et je le pense, je vous le dis franchement, ils ne reviendront jamais. Bachar al-Assad et la Syrie loyaliste s'accommodera très bien de leur absence. Ça libère d'abord de la place dans une Syrie qui est quand même surpeuplée. Enfin, c'est horrible hein, de raisonner comme ça. Mais donc, on va avoir effectivement des Syriens qui sont condamnés à, et c'est pas rien, 5 millions, à vivre des décennies, si vous voulez, comme un petit peu comme les Palestiniens après la création de l'État d'Israël. Voilà, donc c'est, alors on retrouve après, il faut essayer de retourner en Syrie. Je conseille à tout le monde d'essayer d'y faire un séjour parce que vous retrouvez quand même des ambiances absolument formidables. C'est incroyable la résilience de cette société, comme vous le disiez à Alep. Pierre, bon, on retrouve, enfin voilà, vous pouvez déjeuner, vous pouvez retrouver l'ambiance de ce qu'était la Syrie autrefois. Les Syriens sont toujours aussi accueillants, mais politiquement, il y a quand même quelque chose qui s'est brisé, et même de la part de l'État syrien, du gouvernement, on voit qu'il y a une plus grande prise en compte de l'islam sunnite, et il y a eu des choses qui ont inquiété un peu les chrétiens ces dernières années. Même dans la législation, une espèce de,
de retour de certaines dispositions plus conformes, on va dire, au droit musulman qui n'existait pas avant. Merci Frédéric. Alors, cette conférence débat touche à sa fin. J'ai envie de vous poser à chacun d'entre vous la même question, pour regarder demain, pour avoir un regard d'espérance. Quel espoir pour demain pour la Syrie, Monseigneur Jean Bar? Quelle est votre espérance pour demain? Moi, je ne peux pas ne pas avoir de l'espérance. Et je sais que malheureusement, je ne verrai pas le renouveau, la renaissance, mais je vois que la Syrie renaîtra. Nous essayons de travailler sur la génération, nouvelle génération. Nous sommes en train d'encourager la natalité. Nous sommes en train de nous occuper des adolescents et des moins âgés. Et nous sommes aussi en train d'aider les plus anciens. Malheureusement, ce qui s'est passé a détruit tout, a détruit les mentalités, a détruit les maisons, a détruit les possibilités. Mais il y a aussi un grand nombre de jeunes et de nouveaux, si vous voulez, hommes, de jeunes hommes qui veulent faire quelque chose pour reconstruire le pays. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous construisons des maisons, nous donnons des facilités aux jeunes pour qu'ils se marient et qu'ils restent sur place, dans l'espoir qu'eux vont faire renaître cette communauté et ce pays. Je ne vous cache pas que moi, je concentre mon travail sur les chrétiens. C'est mon devoir parce que je suis délégué, je suis nommé évêque des chrétiens. Ça ne veut pas dire que je n'accueille pas les musulmans qui viennent chez moi, mais je me sens obligé et dans le devoir de m'occuper de ces chrétiens qui ont besoin de continuer à vivre dans ce pays où le christianisme est né. Le christianisme est né en Syrie. Les premières églises, les premières communautés ecclésiales ont commencé en Syrie parce qu'ils étaient hors la loi en Palestine. Et c'est pour ça que Saint-Paul est venu pour les obliger à réintégrer la communauté juive. Et le Christ l'a transformé et il est devenu le plus grand missionnaire de l'Église. La Syrie est un pays qui est musulman, qui est chrétien dans sa pierre aussi, dans l'immense patrimoine archéologique chrétien que vous trouvez en Syrie. Des églises partout, des couvents partout, des mosaïques qui représentent des églises qui ont été détruites. Ben, on dirait que le sol syrien est moulu dans le sang des martyrs et les reliques de nos chrétiens, de nos anciens. Il y a 2000 ans de chrétiens fidèles au Christ qui sont enterrés depuis 2000 ans dans cette terre. Il doit y avoir des centaines de millions, peut-être un milliard de chrétiens enterrés dans cette terre de Syrie. Et c'est pour ça que c'est une terre sainte parce qu'elle a accueilli tous ces saints qui sont morts, mais aussi parce qu'elle a été irriguée d'un sang innocent, génération après génération. Et cette génération est une des générations où nous avons versé beaucoup de sang. Et j'espère, moi, avec tout ça, j'ai de l'espoir qu'avec le sang des martyrs, l'Église va renaître et le pays va renaître. En tout cas, Monseigneur, vous nous édifiez par votre combativité, votre espérance, votre énergie qui est légendaire et on sait que vous avez beaucoup œuvré pour vos fidèles. Pierre Sabatier-Garay, vous, votre espérance pour la Syrie pour demain? Et moi, je dirais un petit peu dans le prolongement de ce que nous a dit Monseigneur Jean Bar, que la jeune génération est riche de révélations parce que premièrement, un certain nombre de gens nous ont dit que dans les privations, dans les difficultés que tous ont vécues à l'occasion de cette guerre, eh bien, les uns et les autres individuellement se sont regardés d'un autre œil et que la façon dont les gens certes se côtoyaient avant, mais se regardaient d'une certaine façon entre chrétiens et musulmans, ils ont pu vivre très, très, très directement
la charité, l'entraide dans des conditions absolument dramatiques. Et ça, c'est un premier point. Deuxième point, les chrétiens sont les seuls à parler de réconciliation. Et nous observons exactement la même chose en Irak, dans le nord de l'Irak. Et à tel point que les musulmans, certains musulmans viennent nous voir quand nous circulons en nous disant « aidez les chrétiens à rester, nous avons besoin des chrétiens ». Ce sont les seuls qui savent parler de réconciliation. Et nous observons également que cette jeunesse, et principalement justement ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui se retrouvent un peu aux commandes dans cette jeune génération, savent qu'il faudra reconstruire le pays et savent pertinemment qu'il faudra le reconstruire avec les musulmans. Et ils nous disent, mais nous savons et nous avons autour de nous suffisamment de musulmans de bonne volonté pour savoir que nous le ferons ensemble. Voilà ce que les témoignages que nous avons sur place. Je dois dire que c'est extrêmement encourageant. Et nous voyons, nous finançons, alors pour le coup, autant que faire se peut, ces associations, ces groupes locaux qui se sont créés pour recréer des petites activités économiques sur place, soit à l'aide de microcrédits, soit à l'aide de formations, soit en créant des centres d'études pour les étudiants. Et c'est bien, ils appellent ça des Hope Centers, ce qui est merveilleux, hein, nous observons cette jeunesse. Merci Pierre. Cette jeunesse vraiment veut reconstruire. En tout cas, c'est un grand bravo parce que l'œuvre d'Orient fait un travail remarquable sur le terrain. Et depuis 1856, vous avez des réseaux bien installés. Frédéric Pichon, je te pose la même question. Quelle est ton espérance pour la Syrie pour demain, si tu en as? Oui, alors, moi, je ne suis pas aussi au fait des réalités de terrain que vous qui agissez sur place. Et j'ai une petite tendance à être un peu plus pessimiste que vous, mais j'ai cherché, pendant que je vous écoutais, des signes d'espoir. J'y vois peut-être, j'en vois quelques-uns. Et notamment, on a parlé des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui avaient quitté la Syrie. Il n'y a pas que des opposants qui ont quitté la Syrie, hein, je crois que ça a été dit. Il y a une diaspora, donc à présent, des chrétiens notamment, mais pas seulement des chrétiens. Je pense à une amie qui est suissesse, du reste, hein, dont les parents sont en Suisse depuis longtemps, sont syriens. Et je vois tous ces gens extrêmement dynamiques qui réussissent très très bien dans les pays où ils sont et qui n'oublient pas leur pays, qui y retournent, qui sont prêts le jour où la paix reviendra, où les choses seront stabilisées, qui seront prêts à réinvestir dans ce pays, un petit peu comme les Libanais qui avaient quitté le Liban dans les années 90. Vous savez, ce sont des gens, les Syriens, qui sont très intelligents, qui apprennent très vite les langues étrangères, qui se coulent dans la société d'accueil avec beaucoup d'agilité. Mais pour autant, leurs petits bouts de terre, leurs odeurs, les manaïches, les petits plats à l'épin, ces choses-là, eh bien, ça agit comme une Madeleine de Proust et ça les fait toujours revenir à un moment donné et ne jamais oublier leur patrie. Donc, je pense que ça pourra aussi venir de cela. Je confirme ce que tu dis. Moi, je voudrais apporter un petit témoignage de Zeyna et Elias, réfugiés. Ah voilà, je pensais à eux notamment, oui. Depuis 9 ans et qui retournent passer Noël pour la première fois à Alep. Et on sent que leur cœur vibre pour leur terre. Voilà. Et s'il faut apporter sa pierre à l'édifice, eux et tant d'autres répondront probablement présents. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette conférence débat. Comme annoncé au début, nous allons prendre un quart d'heure de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser des questions, soit à Mgr Jean Barre, à Pierre Sabatier-Gara ou à Frédéric Pichon, vous disposez du petit module qui est en bas, dont je vous ai parlé, qui s'appelle « Converser ». Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais les lire en direct.
Alors, une première question de B, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Jarret Ducrot. Pouvez-vous nous parler de l'apparition de Marie en Syrie? Peut-être une question pour vous, Monseigneur Jean-Bart. J'ai besoin de converser ou non? Vous pouvez nous parler. En fait, en Syrie, il y a plusieurs apparitions. Et de notre côté, il y a aussi des sanctuaires qui sont très fréquentés. Et les gens sont, pour les Syriens, et les Orientaux en général, mais les Syriens en particulier, la Sainte Vierge est toujours à côté du Seigneur. On ne voit jamais, bien sûr, la Sainte Vierge seule chez nous. Elle a toujours le Seigneur sur ses bras. Et même dans l'église chez nous, à l'iconostase qui fait la séparation entre la nef et le Saint des Saints. Ah, on ne vous entend plus, Monseigneur. On a perdu le son. Bon, je vais passer. On ne vous entend plus, Monseigneur. Je vais passer à une deuxième question de Brigitte. Est-ce que les dirigeants français ont toutefois apparition, manifestation, c'est à Damas, Notre-Dame avec une dame qui a des phénomènes qui montrent que la Sainte Vierge est là pour accueillir les gens qui viennent la voir. Il y a une icône de la Vierge qu'elle distribue, etc. Comment s'appelle le lieu d'apparition, Frédéric, à Damas? Sophanié. Est-ce que d'ailleurs je me trompe en disant que c'est une apparition où la Sainte Vierge a particulièrement parlé aux chrétiens et aux musulmans? Mais peut-être elle a envoyé un message, mais elle n'a pas apparu et parlé directement. Peut-être elle a donné un message à travers Myrna, la voyante. Mais ce n'est pas ça. Même si, vous voyez, moi je crois que le Seigneur et la Vierge nous envoient des messages. Elle est avec nous, ils sont avec nous. Autrement, nous n'aurions pas tenu pendant 10 ans dans des circonstances impossibles. Moi, je suis sûr que la Providence et la Sainte Vierge sont là pour nous protéger, pour nous aider. Question de Brigitte. Est-ce que les dirigeants français ont enfin compris que Bachar est celui qui maintient la stabilité en Syrie? Qui souhaite répondre à cette question? Peut-être Frédéric? Alors, effectivement, l'analyse française sur la question syrienne a été quand même marquée à ses débuts par une forme de précipitation, de wishful thinking aussi. Bachar al-Assad va partir, il va tomber dans quelques semaines, dans quelques mois. C'était il y a 7 ans, il y a 8 ans maintenant. Non, je crois que maintenant, je crois que les dirigeants français n'attendent rien. Je crois qu'ils sont plus du tout à la manœuvre. Et en tout cas, il n'y a pas, à mon avis, de volonté française de faire tomber Assad, c'est-à-dire de rajouter encore des problèmes à une situation. De toute façon, la situation syrienne, elle n'est pas tout à fait entre les mains de la France. Hein. Elle est vraiment entre les mains des Russes et de leurs partenaires régionaux. Les États-Unis sont également hors jeu. Alors, une question de Bernard Ayret. Qu'est devenu le nombre de naissances chaque année depuis ces 9 ans de guerre civile? Est-ce que Pierre, par exemple, vous pouvez, ou Monseigneur, répondre à cette question? Écoutez, ce qu'on peut dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec un homme pour 15 femmes, ça fait quand même, ça rend les choses assez difficiles. Et puis, c'est rarement en période de guerre que la natalité augmente. Maintenant, il y a eu des enfants qui sont nés, bien sûr, et on a tous vu des films sur ces naissances d'enfants dans des conditions tout à fait précaires. Maintenant, non, je n'ai pas de statistiques sur la question. Alors, j'ai un chiffre. L'indice de fécondité en 2016 était de 2,92 enfants par femme. Alors, je n'ai pas les chiffres avant la guerre, mais voilà, en 2016, j'imagine que ça n'a pas beaucoup bougé, 2,92. 2016, c'est en pleine guerre. Ouais. Donc, écoutez, je suis assez perplexe.
devant des statistiques aussi précises en pleine guerre. Vous savez, c'est un petit peu comme vous avez cité un nombre de morts qui était, je ne sais pas quelle était votre source, mais pendant toute cette guerre, il n'y a eu qu'une seule source qui était agréée, enfin pas agréée d'ailleurs, mais enfin qui était citée par la presse internationale, c'est l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est une organisation des frères musulmans basée à Londres, mais qui était la seule source qui nous disait régulièrement, d'année en année, il y a 50 000 morts, 100 000 morts, 150, 200 000. Bon, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de statistiques très précises pendant ces 9 années de guerre. Une question d'Étienne. Je me demande si les chrétiens des différentes communautés arrivent à s'entendre et à travailler ensemble. Peut-être une question pour vous, Monseigneur. Oui, effectivement, nous travaillons ensemble. Nous avons des réunions entre, par exemple, je donne un exemple à Alep. Nous avons une réunion hebdomadaire entre les évêques catholiques et une mensuelle avec tous les évêques de toutes les dénominations chrétiennes. Nous avons une réunion par mois où nous organisons ensemble certains aspects de la pastorale et de l'action que nous devons mener. Nous nous entendons bien, nous nous entraînons. Par exemple, pour nos œuvres, pour ce que nous faisons pour aider les gens, nous faisons souvent, dans certaines choses, on se le partage. On se partage l'aide, chaque communauté donne aux siens. Mais certaines aides que tout le monde ne reçoit pas, nous les distribuons à tout le monde. Et par exemple, l'habitat, par exemple, des prêts micro pour des micro-projets, la restauration des maisons. Nous avons les jeunes ont monté chez nous à Alep. Nous avons monté un mouvement que nous avons appelé Bâtir pour rester. Dans le cadre de ce mouvement, nous avons pu restaurer 1400 maisons, restaurées, pas construites, restaurées après les bombardements, tout ça pour permettre aux gens d'y rester et de ne pas quitter. Et là, c'est indifférent. Nous aidons toutes les communautés. Parce que de notre côté, je veux dire, comme disait M. Pierre, les statistiques, nous n'en avons pas. Et moi, je ne peux pas donner des statistiques pour la Syrie. Je peux donner pour ma communauté, mais pas pour la Syrie. Et ces sources d'informations que l'AFP a et que vous avez en Europe sont des sources d'informations biaisées qui ont un parti pris. Moi, je ne leur donne pas crédit. De toute façon, ils peuvent avoir raison, je ne sais pas, je ne me mêle pas, mais je ne leur donne pas crédit. Autre chose, je vais vous donner une chose concernant la natalité. Moi, je me suis rendu compte que les jeunes, nos jeunes mariés, n'osaient pas avoir d'enfants. Effectivement, dans la guerre, avec tout ça, leur entourage, même la belle famille, etc., n'encourageait pas. En 2014, alors j'ai lancé un projet. Depuis 2015, tous les enfants qui naissent sont pris à notre charge, je les prends à ma charge. En 2014, il y avait eu 4 naissances, 2015, 55 naissances. Et chaque année après, ça a augmenté. C'est un problème matériel qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir élever leur enfant. Nous avons donné la possibilité de l'avoir, d'avoir une mensualité pour l'enfant pendant 5 ans. Puis on l'aide pour l'instruction, on le prend gratuitement dans nos écoles, etc. Effectivement, bien sûr, c'est un petit nombre, mais c'est une communauté limitée. Je pense que s'il y a un effort qui se fait dans ce sens, si les organisations chrétiennes étrangères ou même non chrétiennes concentrent un peu plus leur aide dans des milieux pareils, et surtout s'ils aident les chrétiens à rester dans le pays, les musulmans y gagnent. Les musulmans y gagneront. Et comme disait Frédéric, ils veulent que nous restions. Ils ont besoin de nous pour avoir un peu un souffle d'air. Parce qu'eux, ils sont étouffés par un fondamentalisme, par un islam renfermé. Avant la guerre, nous voyions que très peu de femmes avec le voile chez nous. Nous ne voyions pas. Dans nos écoles, nous interdisions cela. Les musulmans qui viennent chez nous n'ont pas le droit de porter le voile. Et ils acceptaient cela. Parce qu'ils ne peuvent... Mais maintenant, vous ne voyez plus une jeune fille dans la rue qui n'est pas voilée. Mais c'est, comme disait Frédéric, c'est,
quelque chose d'effarant. Nous avons perdu beaucoup dans cette ouverture qui ne faisait pas de distinction entre musulmans et chrétiens, que ce soit du point de vue apparat, mais que ce soit aussi du point de vue sentiment et pensée. Nous étions attachés à notre pays, bien sûr, plus ou moins les uns ou les autres. Il y a, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens un peu plus fanatiques, un peu plus conservateurs, mais ça ne change rien. L'important, c'est que pour nous, comme il disait, nous avions honte de demander à quelqu'un quelle est ta religion, quelle est ta croyance. Nous n'avions pas honte, pas sa croyance en le sens que ce qu'il croit, mais quelle est sa communauté. On ne pouvait pas dire « moi je suis musulman, je suis chrétien ». Mais on pouvait discuter que moi je crois en Dieu, quelle est ta croyance en Dieu, on peut discuter de ça. Et ça, c'est un autre signe positif, qu'ils acceptaient que nous discutions avec eux de la foi et de la théologie, et même de critiquer parfois leur façon de voir Dieu, leur façon de voir peut-être la religion. Mais amicalement et en toute simplicité et transparence. Et ça, c'est très important, c'est une grosse perte, une grande perte que nous avons. Nous et toute la société syrienne et le Moyen-Oriental et même chez vous, si les musulmans et les chrétiens étaient ouverts et acceptaient d'être présents et de dialoguer et d'accepter une critique, mais en même temps de pouvoir critiquer, exprimer leur foi dans la paix et le dialogue, mais vous n'en seriez pas là où vous êtes. Jamais un musulman chez nous pense venir insulter un homme de religion chrétienne. Jamais un musulman, ou s'attaquer à une église, ou ne pas respecter une croix. Nous avons des croix dans les rues, mais nous sommes un pays musulman, et pourtant nous avons tout ça. Moi je me demande comment, en Europe, ce qui se passe, je le comprends après avoir vu Daesh et les fondamentalistes qui sont arrivés chez nous, mais nous ne connaissions pas ce genre de personnes avant. Et Alep est une ville de 4 millions d'habitants où il y avait des millions de sunnites. Jamais on n'a eu ça. C'est terrible. De toute façon, j'espère que la paix va permettre de relancer cette ouverture et cette convivialité et cette amitié. Alors justement, une question de Bruno qui demande où en sont les pourparlers de paix. Peut-on espérer la levée des sanctions économiques? Peut-être Frédéric? Alors, et pour parler de paix, il tourne autour de la rédaction d'une nouvelle constitution. Donc, il y a un comité constitutionnel qui discute sous l'égide des Russes, mais aussi des Nations Unies à Genève. Bon, autant dire clairement que les Syriens ne sont pas pressés, enfin, le côté du gouvernement ne sont pas pressés d'aboutir pour une raison simple, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont gagné la guerre et que les gens avec qui ils discutent, c'est-à-dire l'opposition politique qui a essayé de se structurer avec beaucoup de mal. On est à, je crois qu'on a eu 4 ou 5 comités différents avec des personnes qui ne s'entendent pas forcément. Et voilà, bon, ce qu'attend le gouvernement syrien, c'est 2021. Il y a des présidentielles en Syrie. Bachar al-Assad sera candidat. Il sera très probablement élu à nouveau pour un mandat de 7 ans. Donc, là, je crois que les Syriens n'attendent rien de ces pourparlers de paix. Et de toute façon, les conditions demandées seraient beaucoup trop importantes. Donc oui, la levée des sanctions n'aura pas lieu. Je ne crois pas du tout qu'il y aura une levée des sanctions consécutive à un accord de paix qui n'aura pas lieu. Alors, nous allons prendre la dernière question au préalable. Je voudrais juste vous lire deux messages. Celui d'Étienne qui dit... Alors, Monseigneur Jean Barre, vous êtes grand-père par procuration, magnifique. Et puis Brigitte qui nous dit quelle belle émission. Merci aux intervenants, un grand merci à Monseigneur Jean Barre pour son éclairage objectif. Et puis donc la dernière question, une question de Didier. Pouvez-vous nous parler de la partie de la Syrie occupée par les Kurdes? Peut-être une question pour Pierre. Oui, alors je ne sais... Je ne sais pas ce que vous appelez Syrie occupée par les Kurdes. Bon, les Kurdes étaient majoritaires dans trois poches au nord du pays. Depuis quelques années, ils essayaient, à l'imitation de ce qu'ont obtenu les Kurdes d'Irak, d'obtenir une région autonome dans l'est du pays. Et en ce faisant, ils
essayer quand même, d'une façon générale, de chasser un petit peu tout ce qui n'était pas kurde de cette région-là pour augmenter la proportion de population kurde dans la région. Alors, maintenant, les Turcs ont neutralisé tout le nord du pays le long de leurs frontières sur une largeur de 30 km. Ils réinstallaient les réfugiés qui les ont chez eux. C'est une façon pour Recep Erdogan de régler le problème de ces réfugiés. Donc il les remet en Syrie, mais pas chez lui. Mais en même temps dans une zone qu'il contrôle, et comme ces réfugiés en question ne sont pas kurdes, eh bien ça lui donne la possibilité d'avoir une espèce de bande tampon entre les Kurdes de l'intérieur et ceux de Syrie. Donc voilà, actuellement les Kurdes de Syrie qui ont été les troupes au sol aidés par les avions de la coalition menée par les Américains, qui ont véritablement chassé Daesh. C'est clair, c'est vraiment par eux que c'est venu. Maintenant, actuellement, ils sont ramenés au-delà de ces zones qu'ils occupaient jusque-là et qui sont revenus de 30 km plus loin. Quel va être leur avenir maintenant? Ils vont essayer sans doute de négocier avec le pouvoir central une sorte d'autonomie si possible. Maintenant, ils n'ont plus beaucoup de moyens pour y arriver. Mais Bachar el-Assad ne souhaite pas forcément qu'ils aient trop d'autonomie. Voilà. Bon. Donc, ça, je pense que ça va être un statu quo pour un certain temps, en tout cas tant que les Turcs seront dans le nord du pays. Merci Pierre. Nous arrivons au terme de cette conférence débat passionnante. Je voudrais vous remercier chacun d'entre vous. Frédéric Pichon, un grand merci de nous avoir partager tes analyses, ta connaissance de ce pays. Voilà, écoute, j'espère à bientôt. Merci en tout cas. Pierre Sabatier-Gara, président de l'Œuvre d'Orient, merci également de nous avoir ouvert un peu la réalité du terrain, de nous avoir partagé ce que l'Œuvre d'Orient fait sur place, de nous avoir partagé également vos analyses. Ce sera l'occasion, et je le présenterai après, de soutenir l'Œuvre d'Orient dans son action sur place. Merci Pierre, et puis j'espère à bientôt. Monseigneur Jean Barre, un grand merci. Vous nous avez parlé avec passion, avec enthousiasme, avec votre cœur. Je connais votre dévouement à ce pays et à votre communauté. Merci de nous avoir partagez ce que vous avez vécu. Nous sommes heureux ce soir de vous reverser modestement ces 10% qui sont une goutte d'eau dans un océan, mais qui participeront avec le don de beaucoup d'autres à votre immense travail de reconstruction pour certes faire pour rebâtir les murs, mais surtout pour que les communautés humaines, les communautés chrétiennes puissent rester ou revenir à Alep. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Je remercie l'Œuvre d'Orient aussi, et Frédéric et tout le monde. C'était agréable, c'était bien, ça a passé rapidement. Mais ça a passé rapidement. Ça passe très, très vite. Merci à vous qui nous regardez, qui êtes fidèles à ces conférences débats. J'espère que, comme nous, vous avez été passionnés. Alors, je vous propose de regarder la suite de notre programmation. Vous savez que ça continue jusqu'au 22 décembre. La semaine prochaine, nous avons une nouvelle conférence débat qui s'annonce également passionnante sur le thème Renaissance de la Russie, point d'interrogation. Ce sera le 10 décembre à 20h45 avec Frédéric Ponce, qui est journaliste, grand reporter, que beaucoup d'entre vous connaissent, avec le père Serge Sologoub,
Le père Serge est un prêtre orthodoxe d'origine russe qui il a un prisme russe assez marqué. Il nous parlera notamment des réalités de l'Église orthodoxe, de son attitude à l'égard du pouvoir politique. Et puis Xavier Moreau, qui est un entrepreneur, un chef d'entreprise qui habite en Russie et qui nous partagera les réalités locales. Nous avons également des soirées art et Bible avec un parcours soirée biblique autour de l'Exode, commencé la semaine dernière, mais vous pouvez le prendre à n'importe quelle étape, puisque chaque soirée est indépendante. C'est avec Martine Henao, qui est une bibliste formée à l'IET à Bruxelles, les mardis 8, 15 et 22 décembre. C'était un gros succès la semaine dernière. Donc, si vous voulez approfondir l'Exode, qui raconte l'histoire de chacune de nos vies, l'histoire d'un cheminement et l'histoire d'une libération, eh bien, rendez-vous mardi 8 décembre. Un parcours plus artistique, Noël en peinture, autour de l'Annonciation. Et oui, Noël commence à l'Annonciation, avec Paul Guillon, le lundi 7 décembre à 21h. Et puis un itinéraire géographique et spirituel de Noël en Terre Sainte avec François Mollier, qui est collaborateur, accompagnateur d'Ictus Voyage depuis plus de 15 ans, qui connaît cette Terre Sainte par ses pieds et par son cœur, et nous partagera cet itinéraire géographique et spirituel. Et puis une deuxième étape de ce Noël en peinture autour de la nativité pour bien préparer Noël avec Christian Monjou, le jeudi 17 décembre à 20h45. N'oubliez pas que pour chaque soirée organisée, nous avons pris un engagement solidaire de reverser 10% du prix du billet à différentes associations que nous soutenons, l'Aide à l'Église en détresse, l'Œuvre d'Orient, Achalayam, qui est une association d'inspiration salésienne qui fait un travail magnifique à Calcutta, au cœur de la Cité de la Joie, qui vient en aide aux enfants de la rue. Le diocèse d'Alep que nous soutenons ce soir, le diocèse de Monseigneur Jean Barre, l'hôpital de Bethléem que beaucoup d'entre vous qui êtes partis avec Ictus Voyage en pèlerinage en Terre Sainte avaient rencontré, l'association Fratello qui œuvre auprès des gens de la rue, et puis l'association Ma Chance Moi Aussi qui vient en aide aux enfants défavorisés et vient les soutenir sur le plan scolaire. Pour vous inscrire, c'est simple, www.ictusvoyage.com, onglet soirée confinement. Et puis, je voudrais vous inviter, si vous souhaitez faire un don et soutenir l'œuvre d'Orient dans son action en Syrie, votre don sera automatiquement, si vous le signalez, affecté à un projet d'aide en Syrie. Voilà, pour faire un don, et en cette période de Noël, c'est peut-être pas une mauvaise idée, www.oeuvre-orient.fr, rubrique « Je fais un don ». Voilà, nous sommes au terme de cette conférence débat. Je vous remercie de nous avoir suivis nombreux, plus de 145 ce soir. Je vous donne rendez-vous, si vous avez aimé cette soirée, eh bien, peut-être pour la Russie le 10 décembre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Au revoir.